La relation de Tom et Kylie tombe en morceaux. Ils sont toujours en train de crier et ne s'entendent pas l'un l'autre. Leur fille Marie suit leur exemple lorsqu'elle joue à la poupée. Ses parents lui donnent l'exemple d'une famille. Les poupées de Marie se sont aussi disputées et ont cassé toute la maison. Papa voulait tout réparer, mais il ne pouvait pas ne pas être d'accord là-dessus aussi. Ils ne se détruisent pas seulement l'un l'autre, mais aussi tout ce qui les entoure. Ils devront d'abord construire leur relation et ensuite tout le reste. L'amour des parents est la fondation. La nouvelle maison de poupées ne devrait pas se casser. Papa a construit le dernier étage et le grenier. Maman a fait le premier et le deuxième étage. Elle est beaucoup plus grande que l'ancienne. Les poupées de Marie ont maintenant une nouvelle maison. C'est incroyable, elles ressemblent vraiment à Tom et Kylie. Maintenant, elles sont vivantes. Il y a clairement encore beaucoup de travail à faire dans la maison. Les poupées sont en train de planifier l'aménagement de la maison. Il doit y avoir une télé dans le salon. Et elle doit être assez grande pour regarder le Super Bowl. Au fait, les poupées ont les mêmes noms que les parents de Marie. C'était son idée, pas la mienne. Et ils se disputent déjà à propos des téléviseurs, rien de nouveau. Peut-être que leur relation doit devenir plus douce. Voici la petite Marie qui essaie de faire la paix entre eux. Quand elle s'est disputée avec un garçon du voisinage, la crème glacée les a rendus amis. S'ils n'en veulent pas, elle la mangera avec plaisir. La poupée Kylie est de bonne humeur. Elle fait le ménage dans sa nouvelle maison. Tom essaie d'attraper l'aspirateur. Il a eu peur de lui pour une raison quelconque. Tout est sous contrôle. Mode puissance maximale activé et mettons-nous au travail. Oh, c'est trop! Maintenant, c'est vraiment super puissant. Tout ce qui se trouve dans la maison entre dans la machine folle. Elle a presque aspiré Kylie. La pauvre a à peine pu s'échapper de la bouche de l'aspirateur. Oh, Tom va avoir des problèmes maintenant. Il ne s'est même pas passé une minute sans qu'il ne se batte. Il est temps de penser aux meubles. Le monde magique des poupées est plus simple que notre réalité déroutante. Tom aspire simplement les canapés les plus chers d'un magazine avec un aspirateur. Et ensuite, il remplit la maison avec les meubles. Et le plus important, c'est que Kylie a adoré. Waouh ! Tom a touché la cible après tout. Marie a décidé qu'il était temps pour les poupées de dormir et de refaire le plein d'énergie. La chambre est presque prête. Mais ce couple a manifestement besoin de deux couvertures. Ou même de chambres séparées, dans des maisons différentes, des villes, des continents ou même des planètes différentes. Tom s'est retrouvé sans rien. Maintenant, le sommeil confortable est un problème. Aujourd'hui, il ne dormira pas de toute façon, mais il peut passer le temps utilement. L'acier et les bûches. Il est comme un artiste qui a attrapé une muse. Alors Tom a construit un lit superposé, mais même cela n'a pas résolu ses problèmes. Kylie lui enlève toujours sa couverture. Il ne peut pas se cacher d'elle-même sur un autre lit superposé. Marie s'essaye à TikTok, comme tous les enfants de son âge. Les parents sont d'accord avec le nouveau passe-temps de leur fille, mais ils sont inquiets pour ses études. Que penses-tu d'un marché? 10 000 likes et elle peut oublier cette voix. Ça a l'air intéressant. Allons-y! Les gars, aimez cette vidéo pour aider Marie à continuer de filmer. Et les leçons ennuyeuses n'iront nulle part. La poupée Tom a fabriqué une armoire pour les affaires de sa charmante épouse. Et Kylie a trouvé une vis et essaye de comprendre d'où elle vient. Clairement pas de l'armoire. Peut-être de la tête de Tom. Il a fait un mauvais travail en fabriquant l'armoire et maintenant elle tombe sur Kylie. Son mari ne pouvait pas laisser cela arriver. C'est un vrai héros. C'est à cause de la culpabilité. Kylie va parfaitement bien et il semble que nous puissions féliciter Tom. Ils rient ensemble et ne se disputent pas. C'est une réussite. Dans l'univers des poupées magiques, Tom n'a pas besoin de s'embêter beaucoup. Si tu veux une télé, il suffit de la secouer dans le téléphone. Oh! Il a presque oublié la télécommande. Si Kylie le quitte, il n'aura qu'à retirer une nouvelle fille de Troumdeur. Cette vie est parfaite. Il n'a même pas besoin d'aller au magasin pour acheter des snacks. Pour être honnête, j'aimerais être une poupée de Marie, au moins pour une journée. Tom avait prévu de ne rien faire de la journée. Mais Kylie n'est pas de cet avis. Elle a senti quelque chose de mauvais et de toute évidence, c'est Tom. Elle vient de recevoir une application spéciale pour laver un garçon. Elle devra bien frotter en espérant qu'il y aura assez de savon pour lui. Quelle application cool! La vie de la fille devient plus romantique grâce à elle. Tom est tout simplement parfait maintenant. Peut-être malheureux, mais parfait.
on s'en fiche si Kylie est heureuse. La poupée Tom a décidé de faire le tour de sa garde-robe de poupée. Il devra demander l'avis de sa femme. C'est comme si elle trouvait qu'il avait décidé de porter un t-shirt froissé. Bien sûr, il convient à son visage ridé. C'est à ça que devrait ressembler le t-shirt d'un garçon. Mais ils doivent faire quelque chose avec le mur. Ils le feront plus tard. Marie a acheté un nouveau jouet avec l'argent économisé sur ses déjeuners. Mais ces jeux ont toujours l'air un peu agressifs. Ça fait mal à son père de regarder. Pourquoi une poupée qui lui ressemble ne peut-elle pas se défendre? La situation est allée trop loin. Maman a décidé qu'il y aurait assez de place pour toutes les poupées dans la maison. Et c'est ainsi qu'un nouveau personnage est apparu dans l'univers des poupées. Les garçons ont tout de suite commencé à se disputer l'attention de Kylie. Marie pensait qu'il y avait trop d'espace libre dans la maison. Alors elle a apporté les affaires qu'elle n'avait nulle part où mettre. Même papa a aimé l'idée d'utiliser le grenier comme étagère. Mais un énorme pouf peut le briser. Il doit y avoir une limite à tout. Vont-ils se disputer à nouveau? Marie a résolu ce problème très simplement. Elle peut simplement rendre tout plus petit et le mettre dans la maison. Ça semble être une excellente idée. C'est bien que papa ait des mains fortes et sache comment le faire. Les gars, demandez à l'un de vos parents de faire ça, peut-être que ça marchera. C'est génial! Mais il ne peut plus les rendre grands. L'essentiel est que la vie de famille de Marie s'améliore. La jeune fille a décidé d'aménager sa maison de poupée. Elle a trouvé des bons meubles dans un magazine. Mais un canapé en 2D n'est pas très pratique. C'est là que l'aide de maman est utile. Papa avait un sens de l'humour assez plat. Elle a arrangé ça. Maintenant, il n'a plus d'humour du tout. La magie de maman a eu besoin d'un moment pour résoudre le problème du canapé. Il suffit que tu veuilles vraiment quelque chose et ça marchera à coup sûr. Marie pensait qu'il était temps que les poupées fassent du yoga. Les poupées doivent être souples. Kylie se débrouille très bien. Et Tom a peur d'imaginer ce que Marie va lui faire maintenant. Tu peux voir l'émotion sur son visage. Le gars n'a jamais fait un tel étirement de sa vie. Il s'avère que tout ce qui est nouveau n'est pas toujours agréable. Maman a décidé d'aider un peu sa fille. Mais elle en a fait trop et s'est cassé un ongle. C'est une catastrophe. Toute la famille est venue à cause de ses cris. Maman inonde la maison de ses larmes comme s'il pleuvait très fort. Le toit n'est pas conçu pour de telles conditions météorologiques. Mais maintenant, il peut résister même à la grêle ou à la météorite. Et papa peut aussi réparer un ongle. C'est un touche-à-tout. J'espère que maman aura toujours ses mains après ça. Waouh! Il a vraiment du talent. Il se transforme lentement en une famille heureuse. Marie a fait du bon travail avec la façade de la maison. Pendant que maman travaillait sur la sienne, papa lisait un livre et soudain, il a eu une autre idée brillante. Il peut utiliser cette situation. Il avait l'habitude d'irriter maman, mais maintenant il peut aussi irriter son nez de l'intérieur. Elle a éternué tout son maquillage. Elle devra le refaire. Mais... où est-il passé? Ah, d'accord. C'est gênant. Marie a travaillé comme une abeille et a eu faim comme un crocodile. Elle est prête à manger un hippopotame. Maman voulait commander un fast-food et papa l'a soutenue pour la première fois. Ils sont sur la bonne voie. Comme ce livreur super rapide. Pourquoi est-il de bonne humeur? Il travaille comme livreur. Il s'est tellement dépêché qu'il a mis la nourriture à l'envers et a tout secoué. Il a encore l'audace d'attendre un pourboire. Oh, maman a perdu son sang-froid. Le gars a l'habitude, mais cette fois, ça s'est bien passé. Maman apprend à gérer sa colère. Boum! Tout ce qu'il trouvait dans le paquet s'est envolé directement dans les mains de la belle famille. Quel rebondissement! Alors maintenant, ils sont en train d'aménager l'arrière-cour. Elle doit avoir une pelouse douce. Et bien sûr, les meubles de jardin du patio. Mais papa était trop excité à l'idée de tout rapetisser. Il l'a accidentellement fait à Marie. Il fait une crise de panique. Papa doit tout récupérer avant que maman ne le remarque. Phew, tout est en place. Et voici maman. Elle porte une énorme piscine. Il va falloir du temps pour s'en occuper. Il était probablement juste fatigué et nerveux. Ils devraient essayer de le faire ensemble. Ils l'ont fait. La force de la famille réside dans son unité. Tom et Kylie sont de plus en plus proches. Ils sont tellement excités que leur cœur en tremble.
Quelques touches finales et le jardin de la maison de poupée est prêt. Excellent travail! Construire ensemble est plus amusant que de se disputer et de se faire des reproches. Maman et papa n'ont pas eu une seule dispute pendant 2 jours. C'est un succès incroyable! Marie a réussi à colmater toutes les fissures du mariage de ses parents et à leur rappeler qu'ils sont ensemble parce qu'ils s'aiment. Oh, papa doit aller au travail! Son papa va réaliser tous ses souhaits. Elle a économisé l'argent de son déjeuner pour ça. Mais, oh, l'inflation! Un zéro entier a été ajouté au prix. Doit-elle renoncer à son rêve et mourir? Pas question! Papa va créer un parc d'attractions juste à la maison. Papa ferait n'importe quoi pour faire sourire sa fille. Même fabriquer une balançoire. N'est-ce pas amusant? Maisie s'amuse comme une folle. Maman est là pour voir comment les choses se passent. Elle est impressionnée. Elle ne sait juste pas que papa a utilisé sa corde à linge et que tous les vêtements sont sur le sol maintenant. Il va avoir de gros problèmes pour ça. Il est tellement stressé qu'il est fiévreux. Peut-être qu'il peut faire sécher les vêtements? Maisie demande à son père son argent de poche. Mais ce n'est pas comme ça que ce parc d'attractions fonctionne. Elle devra deviner où l'argent est caché. Aura-t-elle de la chance? Et trouvera-t-elle le trésor? Hé les gars! Commentez ci-dessous et dites-lui dans quel ballon se trouve l'argent avant qu'elle ne les éclate tous! Maman et papa sont très différents et ils se disputent à nouveau. Les opposés s'attirent apparemment. Le mur ne sera jamais changé à ce rythme. Quelqu'un doit s'impliquer. Peut-être Maisie? Elle est très créative. Ses parents devraient être plus comme elle. Moins de bagarres et plus d'action. Décorons le mur ensemble. Ce sera amusant. Le mur ne devrait pas être comme maman ou papa le veut, mais comme Maisie le veut. Une grande roue entourée de 2 nuages. Maisie a fait une guirlande avec des chevaux de carrousel. Parfait! Être une maman est un travail difficile et ce n'est pas rémunéré. Faire la vaisselle est ennuyeux. Papa a une idée géniale. On a une nouvelle attraction. Un jeu de tir à l'eau. Faire la vaisselle est tellement amusant maintenant. Tu ne peux même pas t'arrêter. Celui qui vise le mieux a le droit au dessert. Maman est une vraie tireuse d'élite. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas sur son passé. Les assiettes sont propres comme un sou neuf. Mais maintenant, quelqu'un doit nettoyer le sol. Le gagnant! Papa a fabriqué un labyrinthe pour sa fille. Sortir sera difficile. Continue, Maisie! N'arrête jamais d'atteindre tes rêves. Ce labyrinthe est sans fin. Papa rattrape sa lecture pendant que Maisie se perd. Elle est totalement prise au piège. Où doit-elle aller? Papa s'est endormi? Maman cherche Maisie partout. Où est-elle? Le responsable doit mettre fin à tout cela. Depuis combien de temps Maisie est-elle piégée ici? J'ai l'impression que ça fait une éternité. Papa ne sait pas comment fonctionne ce jeu. Maisie a quelques idées. Papa, ne regarde pas où tu vas gâcher la surprise. Il est comme un clou qui a besoin d'être enfoncé. Maisie adore. Papa ne lui a même pas dit que le jeu ne peut pas être réparé. Frappe le jouet, pas ton père. C'est ennuyeux. Papa a mal à la tête maintenant. Et maman veut qu'il fasse le ménage. Mais papa a terminé sa journée. Papa a regardé beaucoup de vidéos YouTube et maintenant il pense qu'il est magicien. Il a prévu un spectacle incroyable pour nous. Il va faire disparaître sa fille. Maisie s'est transformée en fleur. Maman est terrifiée. Qu'est-ce que c'est? Une glacière? Sérieusement? Maman se sent très mal et papa doit l'aider. Encore un essai. Ça devrait marcher. Attends, ce n'est pas Maisie? Est-ce que c'est elle? La magie est une chose dangereuse. Comment pouvons-nous avoir Maisie au lieu de ce garçon?
Le tour est devenu incontrôlable. Et le garçon aussi. On doit enlever le sucre. C'est bien qu'il aime être ici. Mais ses parents doivent être à sa recherche maintenant. Il est temps de payer. Waouh, il est riche. Belle affaire. Maisie a oublié de prévenir ses parents qu'elle travaille comme gardienne maintenant. Ils grandissent si vite. Nous pourrions devenir riches. Oh, bonjour, vieille amie. Si tu veux brutaliser les enfants, tu n'as pas le droit de venir dans notre parc d'attractions. Papa a l'air occupé. Oh, mais il n'a pas le temps de sortir les poubelles. Maman se met en colère. Il est occupé à travailler sur une voiture miniature pour Maisie. Papa est complètement absorbé par ses cartes. Mais maintenant, maman sait comment faire du multitâche. Pourquoi jeter la poubelle quand Maisie peut se promener dessus? Tu sais, comme si elle transformait en voiture. Et elle adore cette voiture. Qui se soucie qu'elle ait des jambes au lieu de roues? Excusez-moi, faites attention à la limite de vitesse. Voici ta première contravention. On doit confisquer la voiture pour l'enquête. Papa a une nouvelle idée. Un trampoline pour que Maisie puisse sauter jusqu'au ciel. Fabrique un cadre avec de vieux tubes métalliques. Le cadre est prêt. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour le trampoline lui-même? Oh, il a une vieille veste en cuir. Maman aime l'invention de papa. Il a fait un grand sacrifice pour sa fille. L'univers lui a donné une grande récompense. Il aime tellement Maisie. Voici une nouvelle fonctionnalité. Une maison hantée. Si effrayant. Est-ce que c'est Huggy Wuggy? Non, c'est le dentiste. Combien ça coûte? Ouch! Tout parc d'attractions a besoin de pop-corn. Même un parc d'attractions à la maison. Maman commence à avoir faim et elle veut regarder la télé. Mais elle devra payer. Rien de personnel, c'est juste du business. Pour 2 dollars, c'est tout ce que tu peux avoir. Si tu en veux plus, tu dois payer plus. Et pas de remboursement. Papa a fabriqué une poupée pour Maisie. Tu peux changer ses vêtements en fonction de son humeur. Papa n'a pas dit qu'il avait commencé par fabriquer un cheval et qu'il l'avait lamentablement échoué. Mais qui s'en soucie? Maisie est heureuse. Elle a aussi une surprise pour papa. Il va adorer. Une chemise en papier et une cravate. Ça a l'air bien, mais il ne devrait pas la porter sous la pluie. Un autre jeu. Voyons comment maman vise. Waouh, c'est vraiment génial! Maisie est super fière de sa maman. Elle n'arrive même pas à s'arrêter. Tout ressemble à une cible pour elle. Ça devient ridicule. Est-ce que papa est sa prochaine cible? Waouh, la bague est à son doigt! Maman peut faire n'importe quoi. Ce n'est même pas la première fois qu'elle lui fait ça. Papa ne peut pas s'arrêter. Il ne s'est jamais senti aussi vivant depuis qu'il a été licencié. Le parc d'attractions a une autre chose amusante. Plein de ses ballons et plein d'eau. Tout est une question de chance maintenant. Et c'est papa qui est malchanceux. Maman va mieux. Ou pas. Ça ne peut plus durer. Hé papa, où vas-tu? Il va se doucher pendant qu'il joue. Maman n'a plus de chance non plus. La nouvelle du parc d'attractions fait vite le tour de la ville. Oh, Springfield! Les invités, c'est de l'argent! Nous aurions bien besoin de cet argent en ce moment. Les invités adorent tous les jeux et les manèges. Ils s'amusent tellement! Et ça devient un vrai chahut. On aurait peut-être dû engager un vrai gardien. Un seul enfant est déjà assez mauvais, sans parler de toute une foule. Espérons que les murs survivront. Papa a travaillé si dur pour mettre tout ça en place. Et maintenant, il le regarde se faire détruire. Au moins, le toboggan a survécu. Ou pas. Les parents ont travaillé si dur pour Maisie. Et leurs efforts ont porté leurs fruits.
Maintenant, papa n'a pas besoin de chercher un nouveau travail. Ils sont riches. Ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent maintenant. Comme aller dans un vrai parc d'attractions. Hé, gardien, laisse-nous entrer. Maisie est vraiment bannie? Ou peut-être que c'est même pas elle sur la photo? Regarde de plus près, loser. Bye bye! Maisie et son papa vont aller sur tous les manèges. Jackson et Kylie vont bientôt avoir un bébé. Ils sont tellement heureux. Ils viennent d'acheter une maison. Ils ont hâte d'aménager la chambre d'enfant. Mais elle est pleine de bric-à-brac. Oups! Heureusement qu'il y a une professionnelle sur le coup. Son équipe est la meilleure des meilleures. Jackson et Kylie n'oublieront jamais cette rénovation. Il y a plus de travail que ce à quoi Kylie s'attendait. Elle préfère s'allonger pendant que les gars font le travail. Le dos de Jackson lui fait mal. C'est sa vieille blessure de sport. Le pauvre ouvrier de la construction va devoir faire tout seul. C'est son travail. Et il le fera quoi qu'il arrive. 2 heures plus tard, tout le vieux bazar est sorti de la pièce. Heureusement que ça n'avait pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, nous pouvons utiliser la cuisine comme rangement. Jackson n'aime pas trop cette idée. Mais il est trop tard pour changer les choses. Le dos de l'entrepreneur lui fait mal aussi. Tout dépend de Jackson maintenant. Le choix d'un berceau est une affaire sérieuse. Et chère. Jackson aime économiser de l'argent. Il peut acheter un berceau sans se ruiner. Le bébé a un berceau et papa a de l'argent. Kylie devrait être fière de son incroyable mari. Elle est sur le point de faire une sieste, mais elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Avant, c'était le lit de Kylie. Être parent, c'est une question de sacrifice, non? 6 heures de dispute plus tard, ils se sont finalement mis d'accord sur une couleur de mur. Dylan est heureux qu'ils aient enfin pris une décision. Mais ensuite, ils ont changé d'avis. Kylie a trouvé la couleur parfaite. Et c'est définitif. Enfin, presque. Jackson vient de se rappeler qu'il aime le bleu. Laissons le mur comme ça. Nous pouvons décorer les endroits d'une manière ou d'une autre. C'est plus facile que de tout repeindre. Les ballons vont recouvrir la peinture. Les pieds de Kylie sont gonflés. Heureusement que son mari attentionné est là. Dylan pense que la rénovation de la maison est plus importante que les pieds de Kylie. Mais Jackson a ses priorités en ordre. Dylan a supposé que Jackson aimait juste donner des massages aux pieds. Il lui a donc offert les siens. C'est impoli! Ne mets pas Jackson en colère. Il était catcheur professionnel. Son mouvement emblématique est le nœud humain. Dylan est originaire du Texas. Être un cow-boy, c'est dans son sang. Ce nuage a la forme d'une vache. Et Dylan va l'attraper au lasso. Je te l'avais dit. Jackson est attentif. Il a passé beaucoup d'été dans le ranch de son oncle Joe. Il peut le faire, n'est-ce pas? Yeehaw! Continue! Oups, il est passé par-dessus bord. Il n'a pas besoin d'un laveur de vitres. Le pauvre gars commence à laver tout ce qu'il voit. Maintenant, le front de Dylan est tout brillant. Une livraison pour vous! Jackson ne se souvient pas d'avoir commandé quoi que ce soit. Mais quelqu'un doit payer. Qui est-il à l'intérieur? Peut-être que Dylan le sait. Tout ce tulle doit être pour un baldaquin. Kylie sera tellement heureuse quand elle verra ce qu'ils ont fait. C'était ses paquets et elle voulait les manipuler. Le baldaquin est super et tout, mais les garçons ont tout gâché. Ils ont mélangé les boîtes. Pourquoi n'as-tu pas lu ce qu'ils ont dit? Maintenant, Kylie a un baldaquin au lieu d'une robe de mariée et une tongue bizarre au lieu d'un baldaquin. C'était une journée difficile. Pendant que Kylie se repose, Jackson va manger des bonbons en cachette. Il a promis de réduire le sucre transformé, mais il en a envie. Et il l'a bien mérité après la journée qu'il a eue. La matinée de Kylie commençait bien, mais ça n'a pas duré. Au début, elle a cru que Jackson était enceinte à sa place. Ce serait génial. Mais ensuite, elle s'en est rendue compte. Dylan n'arrive pas à trouver son maître ruban pour obtenir la bonne taille. Jackson suggère d'utiliser la toise du bébé à la place.
C'est une idée stupide. Mais pas plus stupide que de l'utiliser pour attacher ses cheveux en arrière. Peux-tu, s'il te plaît, être plus mature? Dylan essaie de convaincre Jackson d'acheter un attrape-rêve. Mais il ne peut pas se le permettre. Il peut simplement en fabriquer un en utilisant ce qu'il a appris sur Trom Trom Trick. Est-ce qu'il sous-entend que nos vidéos sont ennuyeuses? Dylan aussi? C'est vous qui êtes ennuyeux! Vous ne savez même pas faire un attrape-rêve de base. Kylie est là pour les sauver. Regarde, Kylie a fait un super boulot. Les gars ont dormi pendant tout ce temps. Oh, c'est grâce à l'attrape-rêve. Il endort les bébés. Et les bébés adultes aussi. Enfin, les oreillers que Kylie a commandés pour son bébé ont été livrés. Et bien sûr, les gars commencent une bataille d'oreillers. Jackson n'a pas l'habitude de perdre. Et Dylan perd tout le temps. Les oreillers ne sont pas des jouets, ni des gants de boxe. Jackson va leur mettre la pâtée. Mais tout ce qui sort, ce sont des plumes. Kylie est furieuse. Jackson ne l'a jamais vue aussi furieuse. Alors il est impatient de faire ce qu'elle dit. Dylan n'est pas si enthousiaste. Le résultat est encore meilleur qu'avant. Mais ils ont recommencé à se disputer. Ces deux-là sont incroyables. Kylie a mangé pour deux dernièrement. Ou trois. Ou une centaine. Et Jackson la soutient. C'est le mari le plus compréhensif qui soit. Tes jeans ne se boutonnent pas? Porte plutôt des pyjamas. Kylie a compris comment tirer le meilleur parti de cette situation. Maintenant, tout ce dont le bébé a besoin se trouve ici. C'est un sac pour les collations du bébé. Nous aurons aussi besoin d'une marguerite. Jackson a beaucoup de chance. Kylie aussi. Jackson est un vrai trésor. Jackson joue à trop de jeux sur son téléphone et il ignore sa charmante épouse. Kylie ne se souvient pas de la dernière fois qu'il l'a complimentée. Jackson sait comment faire des compromis. Le ventre de Kylie est si rond maintenant qu'il pourrait cacher une statue entière derrière. Les jeux vidéo ont toujours été la passion de Jackson. Et travailler le rend triste. D'abord, sa mère ne le laissait pas jouer. Maintenant, sa femme. C'est tellement triste. Le bébé a besoin d'un coffre à jouer. Jackson et Dylan peuvent s'en occuper. Ils recouvrent une boîte de tissu. C'était le manteau de Kylie avant. Chut, ne le dis pas. Elle est heureuse que son mari travaille si dur pour l'avenir de leur bébé. La boîte est devenue super. Tous les jouets rentrent bien. Bien joué. Maintenant, ils peuvent jouer. Ils ont gagné quelques tours de leur jeu. Cette bataille entrera dans l'histoire. Dylan ne trouve nulle part les plans des oreillers que Kylie veut. Le fichier est corrompu. Jackson ne comprend pas. Il va essayer de s'en sortir en utilisant des bonbons. Dylan le prend trop au pied de la lettre et a commencé à travailler sur une solution. Encore quelques touches finales et la surprise sera prête. Un oreiller en bonbons te permettra de faire les plus beaux rêves. Jackson a été choqué. Et ils ont décidé de ne même pas le montrer à Kylie. Elle est enceinte et trop de stress est mauvais pour le bébé. Oui, Dylan, tu as tout gâché cette fois. Dylan n'a pas assez de cordes pour attacher ses morceaux ensemble. Il va donc emprunter des lacets à Jackson. C'est parfait. Joli et serré. Jackson ne s'attendait pas à trébucher. Kylie va l'aider en lui offrant des chaussures de maternité. Elles sont confortables et n'ont pas de lacets. Jackson est un vrai dormeur. À ce rythme, il dormira jusqu'à la naissance du bébé. L'évier de la cuisine est cassé et il faut le réparer. Allez, papa, répare-le. Jackson est génial, pour les réparations en tout cas. Le son de la perceuse est comme une berceuse pour lui. Dylan passait par là et il a cru que Jackson était coincé. Il ne peut pas laisser son ami se débattre comme ça. Il utilise son cerveau et son corps pour aider Jackson à s'en sortir. Mais ce n'est pas suffisant. Jackson n'a jamais voulu ça. La chambre d'enfant est terminée. Kylie est tellement heureuse. Dylan a hâte d'être payé et de partir en vacances. Il veut aller à Vegas. Mais le patron de Dylan pense que trop d'argent est mauvais pour lui. Et qu'il ne devrait pas partir en vacances en ce moment.
Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Jackson et Kylie doivent partir. Ils ont rendez-vous pour une échographie. C'est tellement excitant. Ils vont bientôt savoir si c'est un garçon ou une fille. Le médecin est suspicieusement silencieux. Allez, Doc, dites-nous. Bonne nouvelle, c'est une fille. Mais attendez, il y en a un autre. Et c'est un garçon. Vous allez avoir des jumeaux. Doublez les bébés, doublez le stress, mais doublez le plaisir. Alors, devons-nous construire une autre chambre? Veux-tu les voir faire? Dis-le-nous dans les commentaires.